L'intelligence déléguée aux entreprises, Apple pour le cryptage, on l'a vu avec la CIA, Google le cadastre, en même temps très pratique dans des pays de mobile banking où on travaille beaucoup en Afrique avec son téléphone et où on peut parfois avoir justement à redéfinir un cadastre, ou même je crois qu'il y a des pays de l'Est où ça a été sous-traité à Google, donc c'est à la fois très pratique et en même temps quel rôle pour l'État quand tout est délégué à des entreprises privées? Ben ça, c'est une grande question, effectivement. Hein. C'est que ces entreprises privées prennent un empire de plus en plus considérable sur les vies quotidiennes et ils assument à la place des États un certain nombre de fonctions qui relevaient de leurs prérogatives. Hein. On a parlé de la sécurité intérieure, hein. On parle de tout ce qui est financier. Hein. On se souvient qu'avec les banques centrales, hein, les États jouaient un rôle de régulateur. Hein. Et là, ça peut être d'autres acteurs, hein, et puis on peut rajouter hein, la justice hein, aux États-Unis. Hein, il y a des systèmes de justice prédictive hein, qui essayent d'anticiper la probabilité de récidive pour établir les peines, hein, ce qui est quand même assez inquiétant. Hein. Et il y a même dans le domaine de la défense hein, qui semblait être quand même la plus grande prérogative des États, alors pas avec les moyens classiques, mais sur Internet, sur le cyberespace. Il y a des grandes entreprises qui veulent prendre des mesures de rétorsion contre des attaques, ce qui nous semble légitime, hein, mais ce qui, vous voyez, déjà correspond à une forme de violence hein, qui ne serait pas, dont le monopole ne serait pas attribué à l'État. Mais surtout, hein, il y a des attaques des sociétés privées qui revendiquent le fait de pouvoir faire elles-mêmes des attaques contre ces acteurs qui les mettraient en danger sur le cyberespace. Alors, c'est une question ouverte, hein. Jusqu'à quel point on peut avoir des agents qui prennent cette autonomie? Est-ce que ça ne conduit pas à une reconfiguration politique du monde dans lequel on est, hein? La notion d'État, après tout, n'est pas de toute éternité, hein, telle qu'elle naît avec l'âge moderne, hein, l'État de droit. Hein. Et on peut imaginer une nouvelle forme de féodalisme, hein, où vous allez avoir hein, des acteurs qui agiront pour eux-mêmes hein, et qui, bien sûr, se superposeront. Hein. Il n'y aura pas, justement, hein, une partition hein, du monde en État, mais il y aura au contraire une multiplicité d'influences de ces différents acteurs. Et puis on est aujourd'hui jour de tournage, un jour de grande grève qui passe pas très loin d'ici. Alors souvent on entend aussi cette opposition qu'on fait entre l'intelligence artificielle, celle des machines, on va parler aussi des robots, qui parfois remplacent les humains, souvent, sans doute, de plus en plus. J'étais tout à l'heure à Decathlon à côté avec une caisse qui reconnaissait les produits, qui les a en base de données. Donc on parle souvent aussi comment peuvent évoluer le rôle des humains dans un monde où finalement les machines les remplacent. C'est des questions qui se posent beaucoup, des peurs aussi, ça réveille des peurs. Ah oui, c'est ça. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'on va interagir de plus en plus avec des automates. Alors, ces automates, ils peuvent être androïdes, ressembler à des hommes, ou ils peuvent être complètement différents. Par exemple, vous avez des petits robots aspirateurs qui se promènent. Il y en a un Voilà, derrière c'est vous. ça. Voilà, ça. Hein, où on peut imaginer aussi que vous ayez des automates dans beaucoup d'autres activités de la vie. Hein. Il y en a déjà sur les téléphones portables. Hein. Vous pouvez parler à votre téléphone portable, hein, ils reconnaissent ce que vous dites. Vous pouvez avoir un agenda électronique intelligent, hein. Vous pouvez acheter sur un automate, etc. Et tout ça, bien sûr, transforme la vie de tous les jours. Hein. Moi, j'avais à l'époque travaillé sur la notion d'animisme, se projeter sur ces objets, hein, l'équivalent d'âme, un peu la même, il faut supposer, hein, que ce sont des entités qui vous répondent, hein, avec lesquelles vous entretenez un dialogue. Alors ça c'est une première chose, hein, avec tous les aspects émotifs, hein, on va projeter des émotions, hein, on va leur attribuer, hein, une personnalité, etc. Avec les questions que ça peut éventuellement poser, mais au fond, moi je ne pense pas que ce soit très grave ça, hein, même s'il y a des gens qui se disent oui, ça peut atteindre la dignité de l'homme, du coup j'y crois pas trop. Hein. En revanche, ces robots, bien sûr, peuvent prendre une part importante dans le travail. Hein, et donc, effectivement, ils peuvent assumer un certain nombre de tâches à la place des hommes et transformer les métiers, hein, éventuellement même supprimer un certain nombre d'emplois. Donc ça, c'est une question ouverte qui a fait l'objet de beaucoup de débats et sur laquelle bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce qu'il faudrait plusieurs heures. Mais en tout cas, je crois qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Il faut savoir que le robot, originellement, ça vient de labot. Labotat, c'est un verbe en slave, slave. Hein, ouais, ça, qui veut dire travailler. Hein.
Ce sont des petits travailleurs. Hein. D'ailleurs, quand ils ont été inventés par le dramaturge Karel Čapek, c'était une pièce de théâtre dans laquelle il imaginait un ingénieur qui avait inventé ces petits automates qui travaillaient à la place des hommes, ce qui était au départ extrêmement confortable. Il faut voir que cette pièce est écrite dans les années 20, donc il y a un fond marxiste. Hein. Vous savez que Marx, il vous dit que le travailleur, hein, il appelle en anglais « worker », c'est important parce que c'est l'œuvre. Hein. C'est-à-dire qu'il dit, au fond, il y a une dignité dans tout travail. Hein. Et bien sûr, une fois que les machines réalisent ces tâches à la place de l'homme, l'homme perd sa dignité. Et il perd son pouvoir, et à ce moment-là, ce sont les robots qui vont prendre le pouvoir à la place des hommes. Alors, sur cette question demeure aujourd'hui. Hein, beaucoup de gens se disent, eh bien, peut-être qu'il n'y aura plus de travail. Et alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de se demander, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a quand même des éléments empiriques qui nous laissent entendre que ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que les pays où il y a la plus grande densité de robots sont les pays où il y a le moins de chômage. C'est le Japon, c'est l'Allemagne. Et alors, bien sûr, il y a des craintes. Hein. En Angleterre, il y a eu deux articles, c'est d'Oxford, qui ont paru, où ils nous disent, dans 50 ans hein, ou dans 30 ans, la plupart des tâches seront réalisées par des robots. Alors, quand on regarde les arguments, qu'on les lit, on se rend compte que ça ne tient pas. Quoi, hein. Par exemple, le dernier article d'Oxford, lui, dans 90 ans, ou je ne sais pas quoi, hein, 90% des tâches seront réalisées par des robots. Hein. Et puis, vous regardez, et puis, en fait, ils ont été dans une conférence d'intelligence artificielle, ils ont interviewé des chercheurs en intelligence artificielle, et leur ont demandé, est-ce que telle tâche sera automatisée? Bien sûr, ils ont dit, ah bah oui. Alors, comme ça, la traduction, ils ont dit, ah bah, en 2024, les machines feront de la traduction à la place des traducteurs. C'est un peu ridicule parce que dès qu'on connaît, les chercheurs en intelligence artificielle, ils ne connaissent pas très bien la traduction. Donc peut-être qu'on peut traduire une lettre d'embauche, hein, mais oui, traduire du Heidegger hein, ou traduire du Hölderlin, c'est-à-dire de la poésie, c'est une tâche autrement difficile. Hein, et donc on n'imagine pas hein, qu'une machine soit capable de le faire. Alors, ils vont même en disant, ah bah, en 2049, hein, une machine sera capable d'écrire un best-seller. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, je veux dire, d'abord, écrire un roman, c'est pas facile. Et puis un best-seller, est-ce qu'on sait quelle est la recette du best-seller? Non, alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'une machine va la faire? On n'a aucun élément qui va me dire. Ah ben, donc il y a beaucoup d'excès, je crois, hein, dans cette crainte qu'on peut avoir des robots. Cette crainte qui relève plus hein, de l'ordre de la mythologie, d'une certaine façon. Mais il y a un troisième aspect. Le premier, donc, c'est le côté émotif. Le deuxième, c'est ce côté donc, disparition du travail hein, qui conduirait à une déstructuration totale de notre société. Hein, ce que disent d'ailleurs des grands acteurs américains, ils disent, ah, bah, comme la communauté européenne, hein, il y avait eu un rapport d'une députée européenne qui prétendait justement qu'il fallait mettre une taxe sur les robots hein, à raison des emplois que ça faisait disparaître. C'est une idée qui a été reprise par un candidat à l'élection présidentielle, hein, dont certains se souviendront peut-être. Mais aux États-Unis, des grands agents disent, ben voilà, il n'y aura plus assez de travail pour tout le monde, alors on va donner un revenu de subsistance. Hein. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Hein, et on peut se dire, oui, mais ça veut dire qu'il y aura deux classes. Il y a la classe des gens qui auront la dignité de travailler, et puis les autres. Ce serait une société très, très, très inégalitaire. Hein. Donc je pense que tout ça a des effets très pervers, et en plus, ça n'est pas justifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément qui dit ça. En revanche, il y a une dernière question qui me semble importante, c'est la... On a affaire à des automates qui sont d'une très grande complexité. Dans le temps de l'action, il y a des décisions qui nous échappent un peu. Et bien sûr, on va leur déléguer un certain nombre de tâches. Et donc, il se peut qu'il y ait une perte de responsabilité. En tout cas, là où, avec un instrument mécanique, on pouvait dire que soit bon, il y avait une malfaçon, c'était le fabricant, soit l'utilisateur hein, avait mal conduit sa voiture. Mais là, maintenant, on va avoir une voiture autonome, on ne sait plus qui est responsable s'il y a un accident. Et donc, ça pose des questions tout à fait intéressantes hein, qui, je pense, devront être résolues dans l'avenir. Alors, sur la question des grandes peurs et des responsabilités, on pense aussi aux robots autonomes, notamment dans l'armée, à ces robots tueurs qu'on peut imaginer. Des images, d'ailleurs, de robots qui ne sont pas nécessairement tueurs, mais d'une habileté, d'une robustesse chez Boston Dynamics. Ouais. À quatre pattes, à deux jambes, qui sont un tantinet effrayant dans leur vivacité. Et la question là sur le robot tueur, c'est comment faire la part des choses dans des moments de conflit. Alors je pense que l'expression robot tueur est tout à fait effrayante et elle n'est pas pertinente. Alors j'ai essayé quand même d'expliquer ce qu'on appelle le robot tueur.
qui résulte entre autres hein, d'une interprétation faite par des journalistes d'une lettre ouverte qui a été rédigée par des chercheurs en intelligence artificielle il y a 2 ans, dans laquelle il disait il va y avoir une troisième révolution dans l'art de la guerre, après la poudre à canon et la bombe atomique, on va avoir des armes autonomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des armes qui vont sélectionner d'elles-mêmes leurs cibles. Autrement dit, on va avoir des armes qui vont être capables de dire, ben voilà, c'est lui l'ennemi. Alors, question, bien sûr, est-ce qu'on est capable de faire des armes qui sont capables de s'engager, de sélectionner automatiquement? Oui, bien sûr, on peut faire une arme qui tire sur tout ce qui bouge. Mais pour ça, on n'a pas vraiment besoin d'intelligence artificielle, c'est assez facile. On peut faire une arme qui a une image de la chaleur dégagée par le corps et dire, bah tiens, ça c'est un ennemi. Mais attention, il ne choisit pas la cible. Là, on sait ce que c'est une réduction. Parce que l'idée qu'on nous donne des réseaux autonomes, c'est qu'il va choisir lui-même sa cible. C'est ça qui nous terrifie. Et en réalité, je pense qu'on confond là plusieurs choses. Hein. On confond l'autonomie au sens technologique, hein, qui est le fait qu'on va avoir hein, une séquence... un enchaînement de causalités mécaniques, matérielles, physiques, à partir d'une prise d'information jusqu'à une décision. Donc on peut avoir de l'autonomie avec peu d'intelligence artificielle. Oui, par exemple, un capteur de mouvement qui va tirer, il y a des armes comme ça qui sont à la frontière entre la Nord et le Sud de la Corée, ça marche, il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est dramatique, mais c'est autonome au sens juste technologique. Alors là, on nous dit que ce sont des robots autonomes, en fait on veut dire que c'est des robots qui vont choisir. Et donc, en fait, on confond l'autonomie au sens technologique avec l'autonomie au sens moral. Il y a des gens qui vont avoir une volonté propre. Alors là, on en est bien loin, bien sûr. Alors vous imaginez, pour vraiment cibler un ennemi que l'arme décide, il faudrait qu'elle soit capable de caractériser un ennemi. Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi? On ne sait pas. C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques physiques d'un ennemi? On n'en a pas. Hein, si on dit c'est juste la chaleur dégagée par le corps, ça veut dire que c'est n'importe quel homme qui passe ou n'importe quel animal. Mais ce n'est pas un ennemi. Hein, et donc, c'est là où est la question centrale. Et donc, on confond cette notion d'autonomie et puis le fait qu'il y ait de l'intelligence artificielle dans les armes et puis la létalité. Hein, parce qu'en réalité, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle les SALA, système d'armes létales autonomes. Et bien sûr, il y a plein d'autres armes qui ne sont pas nécessairement létales. Il y a plein de systèmes d'armes, qui, par exemple des systèmes de déminage qui peuvent utiliser de l'intelligence artificielle, qui éventuellement se promènent de façon autonome, qui peuvent sauter à la place des hommes ou indiquer qu'il y a une bombe. Ça peut rendre énormément de services. Et on a plein d'autres applications d'intelligence artificielle dans le domaine militaire qui sont... Hein, et par exemple, vous parliez du robot de Boston Dynamics, il était effrayant. Mais l'idée, c'est que ce soit comme une espèce de mule, donc que ça porte des... que ça accompagne le soldat. Donc il y a beaucoup de confusion, je crois, dans ce domaine. Hein, et les grands industriels, hein, comme Elon Musk, par exemple, dernièrement, hein, se sont manifestés... Hein, pour essayer d'activer ces craintes. Au fond, derrière, hein, ce sont les vieilles craintes de l'intelligence artificielle qu'ils essayent de magnifier, et le domaine militaire, bien sûr, est celui qui est le plus effrayant hein, de ce point de vue-là. Et c'est vrai que si c'était vrai qu'il y avait une arme qui vous détectait toute seule et qui vous poursuivait, hein, ce serait diabolique. Mais on peut avoir plein de choses effrayantes sans avoir besoin d'avoir des armes autonomes. Vous avez des drones, par exemple. Ce sont des armes qui atteignent à distance, qui sont terrifiantes aujourd'hui, qui peuvent avoir des effets extrêmement pervers et qui ne sont pas du tout autonomes.